Salut tout le monde, c'est Snaker, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui la vidéo va consister à vous euh, montrer comment activer la chanson sur Kino Dark Toten pour Black Ops 3 et ça va pas être la seule vidéo parce que je pense que je vais faire beaucoup de vidéos donc en vidéo, il va y avoir une vidéo euh, de, chaque, de chaque map de Zombie Chronicle sur Black Ops 3 donc euh, le but de cette série de vidéos là, ça va être de vous montrer comment activer les musiques qui se trouvent dans la map voilà, c'est très simple, les maps qui contiennent des chansons en fait, je vous fais cette vidéo là en attendant la sortie euh, qui qui a duré trois heures et quelques minutes. Nous et j'ai survécu à la manche 33 tout seul. Alors, pour vous faire patienter, parce que oui, l'épisode de 3 heures est en montage. Il est vraiment long le faire le montage et tout et tout. Et eh bien je vous poste ce petit tutoriel là donc facile donc pour ceux qui ont connu comme moi donc Norderstone euh, sur euh, Black Ops euh, They Rise sur World at War et Black Ops et euh, eh bien vous le savez déjà à peu près comment activer la musique et pour les nouveaux joueurs et eh bien c'est le tutoriel parfait pour savoir comment activer la chanson sur Kino Deretone. Alors c'est parti. Euh, donc, on commence. Euh, donc, euh, il faut ramasser trois pierres dans Kino d'Arthotten. Donc, euh, trois pierres euh, extraterrestres. Que vous entendez faire un bruit euh, assez bizarre. Alors, la première pierre se trouve dans la première salle. Donc, où ce que vous vous spawnez Elle se situe juste derrière le sofa ici. Et euh, vous allez venir juste ici. Et euh, vous allez appuyer sur la touche d'action. Selon votre console. Et vous allez. Euh, et lorsque vous allez apprendre, ça va faire ce bruit-là. Alors euh, voilà, donc euh, vous avez pris la première pierre et euh, il reste encore deux autres. Il n'y a pas vraiment d'ordre à suivre pour les pierres. Alors la deuxième pierre se trouve euh, entre Speed Cola et la scène. Donc Speed Cola et qui est juste ici, donc c'est dans un ce petit endroit ici. On, on, on y retrouve la boîte, mais je l'appelle plutôt la salle du changement parce que, eh bien, c'est tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est, ce qui est habillement des acteurs et tout et tout. En arrière de la K47, c'est pas une AK47, mais moi je l'appelle comme ça parce que ça semble un comme deux goûts deux. Et on s'en vient juste en arrière ici, euh, donc en arrière où il va avoir la porte arrachée. Et eh bien, on retrouve ici la deuxième pierre. Donc vous appuyez sur la touche d'action comme d'habitude pour la troisième pierre, ou peu importe la pierre dans laquelle vous. Vous la prenez, il n'y a aucun ordre, c'est très simple. Il faut juste aller du côté opposé de la fenêtre du début. Vous continuez tout droit, vous ouvrez la porte ici, et ici il y a double coup, donc c'est entre double coup et la scène, mais en passant par dehors. Alors vous passez par dehors ici, la, la, je crois que la porte a collé 250. Alors vous accédez ici soit par là, ou soit par la scène en arrière du téléporteur où on peut retrouver une petite porte avec une lumière rouge juste au-dessus. On la monte, on la monte, on la monte. Rentrez dans cette pièce. Alors si vous ne vous souvenez pas où j'étais tantôt, eh bien j'étais juste ici. Mais la porte dans la partie dans laquelle la partie j'étais n'était pas ouverte. Ben mais ça ne change pas vraiment rien. Alors vous montez ici. Vous allez, vous continuez ici, vous allez là où c'est à côté de euh, la fenêtre qu'elle au fond il y a un drapeau nazi et vous tournez et voilà juste au dessus d'une boîte de carton bien il y a la pierre et la musique va s'activer automatiquement donc vous pouvez juste l'activer une fois dans la partie et euh, voilà en fait et la musique je vais vous la mettre dans la description parce que je veux pas me faire copyright. Alors c'est Snake Eyes, je te dis tout le monde peace.